Bonjour, moi c'est Estelle Fosse, originaire de la région de l'Ouest du Cameroun, membre de WebDev Foundation depuis 2013 jusqu'à nos jours. Avec WebDev Foundation, j'ai eu à mener plusieurs projets, comme le projet ECHO, qui consistait à renforcer les capacités des enfants dans les écoles primaires, dans les infirmières. C'est-à-dire, nous travaillons avec les enfants en informatique, santé, langue, avec l'aide bien sûr des volontés internationales. Ce projet s'est déroulé principalement dans la région de l'Ouest. Nous avons travaillé avec les écoles telles que l'école publique de Ndjemou, l'école du Sébé Plateau, l'école de Djenin. Les orphelinats comme Avapef et Cesson, qui constaient pour nous là-bas travailler les enfants malentendants et sourds. Et concernant notre projet que nous avons mené, il s'agit ici là du projet Madiba, qui consistait pendant les vacances à renforcer les capacités des enfants en informatique, santé, langue, culture. Bien évidemment aussi avec l'aide des volontés internationales. Et nationaux. Avec volonté internationale et nationaux aussi. Puisque moi je suis une volonté nationale. Et mon parcours ou bien ma présence au sein de WebDev Foundation, j'ai beaucoup bénéficié. Parce que bien avant ça, j'étais qu'une simple étudiante. Je suis arrivée à WebDev Foundation, j'ai développé ma passion qui est de transmettre le savoir à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai pu réaliser mon rêve qui est bien sûr de devenir enseignante. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis enseignante en Information Management and Communication. Et ça, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci au coordonnateur de l'organisation WebDev Foundation qui m'a poussé à réaliser ce rêve-là. Et je voudrais ici inviter tous les volontaires, toute personne, à venir joindre cette organisation parce que on apprend beaucoup ici. On n'est pas. Bref, on rencontre de nouvelles personnes, on se fait des amis, on développe les connaissances des enfants. On apprend à parler en public. On apprend à parler en public. Et on si possible, à réaliser aussi ses rêves. Un peu comme moi. Avant ça, je n'étais pas à mesure de me placer devant des gens et de parler. Je ne savais pas comment transmettre le savoir à quelqu'un. Mais grâce à ça, j'ai beaucoup de choses. Voilà, je suis contente. Merci. Bonne continuation. Merci.